We're in Aubusson, a small village in the Swiss Jura Mountains, and we're here to visit Debutin. Ten years ago, I visited them for the first time. And at that time, they were experimenting with heat bluing the titanium cases and especially the floating lugs of the DB28. To me, it felt a bit like I was visiting a laboratory of a mad professor, and that is how I've seen Denis Flageolet ever since. He's certainly one of the most interesting watchmakers of our times. Denis is founder of the brand and mastermind behind all the inventions, and there are quite a few. Debutin is experimenting on new materials, developing new movements, and innovating in the field of chronometry with new escapements and oscillators. We're talking with Denis Flageolet, founder of Debutin and mastermind genius watchmaker. We will be talking about the DB28 XP that was introduced to celebrate 10 years of DB28. Alors l'idée au départ du projet, c'était d'être devant une page blanche en fait, avec l'entreprise que j'avais fondée avant, qui était Technique Horlogère Appliquée. On travaillait pour les grandes marques, on faisait beaucoup de choses différentes. Moi, j'avais vraiment envie de prendre une indépendance totale. Et avec David Zanetta, en fait, on s'est lancé à faire des montres qui nous semblaient importantes pour faire connaître en fait la grande histoire de l'horlogerie. Et pour amener quelque chose de différent, amener un petit morceau de cette grande histoire en fait, qui a débuté avant la Renaissance et qui était incroyable au moment du siècle des Lumières et qui a continué dans l'ère industrielle de façon assez poussée et qui, à notre avis, il fallait recadrer. Alors la spécificité de Debutin, c'est son indépendance. On est une très petite manufacture, mais nous sommes totalement intégrés, ou pratiquement totalement intégrés, ce qui nous permet d'être très réactifs. On a une capacité de développement relativement importante. Et ça, pour moi, c'est super important parce que ça amène une deuxième possibilité. Ça amène justement la possibilité de mettre en œuvre les idées pour le développement de l'horlogerie et particulièrement dans l'utilisation des matériaux, des matières, dans la chronométrie et bien sûr également dans une recherche esthétique des produits. La première recherche sur laquelle je me suis vraiment concentré, c'était d'avoir un calibre de Debutin. Pour avoir un calibre de Debutin, je ne voulais pas juste copier ce qui se faisait, je voulais juste surtout m'inspirer de cette grande connaissance horlogère que l'on a depuis la découverte de Huygens, de Galilée l'isochronisme et de Huygens du balancier spiral. Et ces 400 ans de recherche horlogère, je voulais m'inspirer de ces recherches horlogères, je voulais amener quelque chose de nouveau, je voulais comprendre si les grands horlogers de l'époque, avec les matériaux et les technologies à disposition, pouvaient apporter quelque chose de plus dans la conception technique d'un calibre. Et donc je me suis attaché à ça. Pendant 2 ans, c'était un travail de fou pour pouvoir arriver à amener un calibre qui était digne des années 2000 dans les montres de Debutin. En cherchant en fait ces possibilités-là avec les nouveaux matériaux possibles pour l'horlogerie, parce que bien sûr c'est souvent, quand on parle du titane, il est utilisé depuis très longtemps, il est connu depuis très longtemps, mais disons pour l'horlogerie, on parle aussi du silicium, c'était de voir ce qui avait un sens, si on pouvait réellement les utiliser, si ça pouvait nous apporter quelque chose. Le titane, c'était assez incroyable parce que, en fait, j'ai découvert que cette matière, non seulement elle pouvait apporter quelque chose dans la recherche de la chronométrie, ça permettait de faire des balanciers beaucoup plus légers mais avec une inertie conséquente, donc ça améliorait sérieusement la qualité d'un calibre et on a pu gagner et en qualité de marche et en réserve de marche. Et le silicium, après beaucoup de tâtonnements et de recherches, on l'utilise maintenant
totalement dans tous nos calibres longs avec la roue d'échappement. Et cette roue d'échappement est très intéressante parce que justement elle est très légère aussi. Elle diminue fortement les chocs à l'échappement et elle permet de huiler beaucoup moins et donc d'avoir une meilleure fiabilité dans le temps. Titane, ça allait beaucoup plus loin. En travaillant sur les balanciers, j'ai dû le stabiliser thermiquement. Et en le stabilisant thermiquement, quelle fut pas ma découverte, qu'il est devenu bleu. J'ai dû le stabiliser à plusieurs centaines de degrés. Et en fait, quand j'ai sorti mes balanciers du four, les premiers prototypes, et que j'ai vu qu'ils étaient bleus, j'ai trouvé ça génial et j'ai pas du tout envie de les reblanchir. Et donc je les ai gardés comme ça. Petit à petit, nous est venue l'idée d'utiliser le bleu titane dans d'autres parties de la montre pour finir jusqu'à l'extérieur de la montre. C'est quelque chose qui pour moi avait un sens parce que dans l'horlogerie, depuis la Renaissance, on utilisait déjà le bleu sur les aciers. Ça permettait en fait de les protéger à l'oxydation. Avec le titane, on n'a pas ce problème vu qu'il est totalement inoxydable, mais on a cette possibilité justement de l'utiliser aussi à l'extérieur et de jouer avec les lumières, de jouer avec les formes, les espaces, les finitions, les surfaces, aussi avec différentes couleurs. On a le bleu, mais on peut aussi faire le jaune paille, parce que c'est les différentes échelles d'oxydation qui se créent en fonction de la température que l'on va passer, le titane, et du temps que l'on va passer. Après avoir travaillé quelques années sur la montre classique et cherché à aboutir l'extrême classicisme, nous sommes arrivés vers une recherche, je vais dire presque d'une musique un peu plus contemporaine. Mais pour réussir à maîtriser parfaitement la musique contemporaine, il faut maîtriser la musique classique. Et donc c'est ce qui est arrivé avec la DB28. C'est-à-dire que quand on s'est senti vraiment bien et à l'aise, on a commencé à pouvoir travailler sur une montre contemporaine, mais qui ne trahissait pas en fait tout ce que l'on aime dans la belle et grande horlogerie classique. Et donc la DB28, c'était vraiment le bébé de Béthune. Et quand nous avons reçu le Grand Prix de l'Aiguille d'Or en 2010, c'était pour nous une consécration. Cette DB28 XP, qui n'est pas simplement un modèle, mais qu'une petite série, est composée de trois montres. La première heure-minute, l'important était de voir l'esprit de l'architecture de la DB28 d'origine. Elle est extra plate, elle est beaucoup plus plate que celle d'origine. Et donc, en fait, le jeu, ça a été de travailler sur les différentes finitions et les différentes formes pour lui donner du volume, en fait. Donc, en fait, de partir d'une montre très plate, mais de donner un volume pour ne pas trahir l'esprit de la première DB28. La deuxième, c'est une montre heure-minute aussi, avec échappement balancier de béthune standard. Là, l'idée, c'était d'utiliser la décoration microlight de béthune, comme nous l'utilisons dans le bleu. Nous l'avons utilisé à l'époque dans les montres classiques aussi, et c'était un petit clin d'œil de reprendre ce microlight de béthune sur le cadran bleu titane et d'amener une petite touche un peu plus technique, on va dire, du ciel étoilé. La troisième DB28 XP, c'est le tourbillon. Pour moi, c'était important d'y amener une touche classique de l'horlogerie que j'adore, des magnifiques cadrans de l'époque guillochée, de Leroy, de Lépine, de Breguet, l'époque du siècle des Lumières, à laquelle je reviens souvent, mais qui est pour moi hyper important dans l'horlogerie. C'était une façon d'amener ça dans une montre extrêmement contemporaine, et il a fallu un petit peu de technique pour diminuer la hauteur du calibre parce que c'est une pièce extra plate, et une bonne grosse difficulté à réaliser le cadran guilloché puisqu'en fait il est centré sur le tourbillon et non sur le centre de la montre, ce qui fait cet effet d'ouverture assez importante du cadran. De Béthune, en fait, est un grand laboratoire. C'est à 18 ans de laboratoire, en fait. Rien n'est fixé chez nous. L'important, c'est de voir si on arrive toujours à améliorer la qualité de cette petite brique qu'on veut amener à l'histoire et au monde de l'horlogerie.
Là, nous sommes aux 10 ans de la DB28. Et pour fêter un petit peu ces 10 ans, l'idée a été d'intégrer dans notre petite série de DB28 XP, nos trois modèles, d'intégrer toutes nos recherches et tous nos résultats des différents modèles DB28 depuis ces 10 ans. Pour moi, c'est un petit peu une quintessence de cette recherche. Donc en fait, c'est la deuxième vie de la DB28 et c'est loin d'être fini.